Et c'est le mode, on est parti pour une nouvelle aventure sur Demon's Souls. Donc, vu que j'ai fait déjà la base de ce que je voulais faire, me créer une épée de dragon avec l'épée de chevalier, j'ai quand même gardé mon fauchon du croissant à côté, j'ai mon arc blanc, j'ai mon catalyseur d'argent, que j'améliorerai plus tard. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? Hein, là, vous pouvez voir, bien évidemment, qu'il y aura une couille, parce que sinon, c'est pas drôle. Et je me suis dit, bah, quoi faire, quoi faire, quoi faire, quoi faire, quoi faire d'ailleurs. Et bah pourquoi pas aller péter la gueule à... enfin aller fouiller cette zone, parce que je ne m'en rappelle absolument pas du tout. Tu veux pas descendre s'il te plaît? Mais je t'ai vu t'envoler du con, hein. Fais pas semblant. Hein. Qu'est-ce qui est parti attaquer là? Mais mon loot! J'allais faire la vanne en mode vu que tu te rappelles plus, record comme ça te fait. Ah, je record, t'inquiète pas. Ah, ça veut rien dire, hein, parce que peut-être que j'aurai les bons réflexes, éviter les mobs qui vont vouloir me péter la gueule. Ça je veux bien mon repère pèse ennemis, allez ouais au mieux alors une petite vibration ok. Une vieille épique. Éclair pierre de lune. Ok. C'est le morceau qu'il me faudrait, les amis. Vous pouvez filer un morceau, ce serait pas mal. Est-ce que ça descend loin ou pas? Bon, déjà au moins, je fais le taf face aux gargouilles, ça c'est cool. On dirait une glaire géante. Y a moyen, y a moyen, y a toujours moyen dans tous les cas. Même avec moins de dégâts, tu sais, même si je faisais moins de dégâts, y aurait toujours un moyen. Mais y a aussi toujours moyen de faire le con, faire la mauvaise pirouette, la mauvaise glissade. Ah là, une vieille flèche dans le haut, oh, pierre de lune, nickel. Bah, je pourrais fabriquer, je crois que je peux fabriquer mon fauchon plus 5. Ce qui sera pas mal, parce que c'est-à-dire que j'aurai autant pour les mobs qui résistent moins bien aux flammes, autant pour les mobs qui résistent moins bien à la magie, je pourrais avoir les deux. Sachant que à l'heure actuelle, je suis en plus 30 en magie, donc mon fauchon fait quand même pas mal de dégâts, mes sorts aussi. Et pendant les moments que je stream pas et que je m'ennuie, bah, je farm les âmes dans la zone que je vous ai présentée lors du tuto. Et comme je vous ai présenté dans la vidéo précédente, au début de la vidéo, je vous ai montré que la zone s'arrêtait pas seulement là. Quand
qu'on pouvait continuer un petit peu la zone après quoi. Avec le soldat noir aux yeux rouges. Mais c'est quoi ce truc là? Une main qui se tient au mur. Ça a l'air grave dégueulasse quand même hein. Ça fait bondage SM qui a mal tourné, tu sais. T'as vraiment voulu venir me voir? Attends. Voilà. On dirait un cerveau, tu sais quoi, on dirait un cerveau avec une chaîne autour de lui quoi. Lui déjà il sent mauvais avec ses yeux rouges tu vois. Oui t'as affronté la mauvaise personne avec moi. Tu croyais que garder tes distances et tout te permettrait de survivre. Désolé de te dire que ça passe pas. Une flamberge. Une épée à deux mains. Grosse épée à deux mains. Qui peut être cool, mais c'est pas vraiment le dex que je prévois. Là, je suis plus sur un build force magie. Vas-y, atterris. Récupérer l'âme juste avant qu'elle tombe. Vas-y, descends, mieux vite. J'ai même pas eu le temps de voir ce que c'est que j'ai récupéré. Tellement que j'étais concentré sur pas tomber. Ça c'est le genre de couille où t'as un mob qui a... qui apparaît juste pour te faire tomber. Alors avant de monter, je voudrais bien voir ce qu'il y a de l'autre côté, s'il te plaît. Donc ça c'est pour revenir humain, c'est pratique. Surtout si vous voulez jouer avec la tendance des mondes. Merci petit ascenseur, maintenant vous pouvez remonter. Droite ou gauche, 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 ouais pas le choix, hop nickel, ça m'arrange. On m'a dit il faut pouponiquer. Il faut pouponiquer. Brûle, brûle, Babylone, brûle, viens par ici que je t'encule. Ah d'accord, c'est juste ça, d'accord. Ah donc c'est bien une histoire de chaîne. Ah, c'est d'accord, c'est un genre de cerveau qui maîtrise tout façon Bloodborne. Dans le château de la folie, il y avait un truc comme ça. C'est bien, en tout cas, il me file pas mal d'âme. Ouh, putain, tousser, ça me fait mal au dos. D'ailleurs, Remnant, il faudra dès que je l'installe, oui. D'ailleurs, le Remnant est bien, mais le premier boss est largement faisable sans les espèces d'AD.
dégueulasse qui explose et t'empoisonne là. Ah oui, alors ça tu sauras poto que dans Remnant, c'est pas un jeu qui se suit de façon très logique. En gros, le... Je crois pas que c'était ce que je voulais faire. En gros, les boss, t'as une variation d'environ 6 boss pour 6 ou 8 boss pour 3 boss par zone. En gros, ta zone de départ, la ville, tu vas affronter 3 boss avant de changer de zone. Mais tu vas rencontrer que 3 boss sur 8 boss possibles. Donc ton boss que tu vois toi ne sera peut-être pas le même que ton pote et compagnie toi. Mais c'est que t'es dégueulasse, ma vieille. Comment tu vas, mon petit duc? Yo, laisse me caille pas. Le copain sadomaso. Comment tu vas, mon petit duc? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je sais pas, le problème c'est que je sais pas si je peux y aller. La bague de fragrance. Qu'est-ce que la bague de fragrance? Je crois que je l'ai dit là, la bague de fragrance. Moi ouais, ça va la forme, ça va, fin de l'apéro, ok. Ah, j'ai coupé en deux pauses. Human centipède. Ok, les petits, je peux one shot avec un coup, comme ça moi j'économise du temps. Tiens, en parlant de ça, oui, il faudra que je lance Sensation de Remnant. Tu me fais penser ça, monsieur, madame? Je rigole sur mon PC, j'enregistre sur mon PC. Après, c'est le copier-coller, mais au bout d'une heure, en fait, j'aurai un fichier séparé déjà d'une heure, toi. C'est vraiment l'identique de ce que toi tu vois en live, poto. C'est vraiment l'identique de ce que toi tu vois. L'avantage, c'est comme le live, bah, il dure 3-4 heures plus le début. Là, ça me fait déjà un truc. Ah non, mais j'ai pas dit demain, poto. J'ai dit fais-moi penser à l'installer, tout court. J'ai pas dit qu'on allait jouer absolument demain, toi. Ah, mais il est pas mort en fait. Repose en paix. Une bague anti-peste. Ok, l'autre c'était la bague de fragrance. J'ai deux bagues anti-peste. Ah, voilà. C'est-à-dire que si je mets les deux bagues plus mon fauchon, ça me fait un boost de PM qui revient très 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 rapidement. Ça c'est cool. Ah, j'ai un petit peu. Depuis le début du stream, j'ai 80 pertes d'image. Mais ça me fait une figuration quand même à 0%. Donc. Vous me direz si ça continue. Sachant qu'avec mon réglage de base que j'avais, y en avait pas. Donc. On est mis à combien? Pourtant, on l'a mis à 3500, ça, bitrate, je crois. Je crois qu'on a mis un peu on a mis un peu différent.
Non mais pour ça je parlais à Duke, parce qu'avec Duke on avait fait les modifs. Sorti 3005. On a mis 3005 toi. Si à 3005 j'ai des petites paires de paquets d'images, je vais peut-être pas me en rajouter encore toi. Au moins jusqu'à qu'il me stabilise ma connexion. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, mon petit duc, c'est pas faux. J'ai réussi à me faire un saphir tout à l'heure, mais ça m'a pas donné la transcendance pour le remettre. T'es même pas fait toucher jusqu'à maintenant. Alors là, c'est. Ah non, pierre de claire lune, merde, moi c'est pierre de lune sombre qu'il me faut. Ah merde, je crois que j'ai pas les bonnes pierres. Je crois que je crois pas les pierres de mon fauchon. Tu me suis peut-être emballé un peu trop vite. J'ai pas changé d'arme. Même mon arc a fait un maximum de dégâts, ça je suis content. Sur déclencheur de quoi, Duc? Côte sa race. Oh.
Bye bye la chaîne. Ah mais moi aussi je sais plus là honnêtement mais moi j'ai un doute mon petit duc. Oh il s'est littéralement écrasé comme une merde. Quand tu dis sprouche. C'est quoi? Je vais quand même prendre. Moins repérable, on va prendre une pack de fragrance. Je vais voir si moi, tiens, je vais voir si le fauchon il fait autant de dégâts. Des monsieur Brawl en jambes. Ah, tu peux dire, ouais, tu peux dire qu'elle a même eu des pertes à ce niveau-là. Hein. C'est tellement dégueulasse. Rends moins repéré par les ennemis. J'ai repris le fauchon parce que justement, le fauchon a un pouvoir de. De régène de PM quoi. Ouais, c'est 4 coups au lieu de 3. Un Kinder surprise. On a retrouvé un Kinder surprise. Ah, j'ai. C'est que t'étais tellement insignifiant que je t'ai oublié toi. Alors là j'ai. Ah si oui si, je peux monter en haut déjà pour faire le tour. Faire le loop complet d'en haut, voir s'il n'y a pas d'objet. Et après, faut que je redescende par le côté de l'extérieur pour arriver à l'intérieur, en fait. Je vois qu'il y a pas mal de cristallins. Ça, c'est cool, mais ça veut dire qu'il va falloir que je revienne plusieurs fois. Ah! Man Bat, c'est un homme.
J'en ai récupéré des âmes quand même. Hein. T'as vraiment prévu d'aller jusqu'en bas? Putain, le coup de latte du mec, il m'a quand même bien fait mal que tu l'aies lu là. De brillant à l'arrière, ça sent le boss. Anthropophage, d'accord. Le chat, pas le moment. Clairement pas. Tu t'emmènes mon garde avant. Oh, lève-toi! Qu'est-ce que tu... Je fais une glissade l'homme, personne, j'ai sauté en arrière! Putain, mais c'est quoi ces conneries encore? Putain, je fais une glissade sur le côté gauche! Mon personnage fait glisser, il fait un salto arrière quoi, mais tu te fous de ma gueule. Putain mais codez vos jeux correctement, sérieusement, hein, ça me casse les couilles de plus en plus ça par contre. Pas possible de sortir des jeux à 80 balles avec autant de bugs.
En culot de la première personne. Non. Touché sa bite. Pas fini, est-ce qu'il y en a un deuxième?
Pour cette taille, ils se rappelleront ce que j'ai dû subir en attente. En gros, là, ils invoquent une âme de n'importe qui pour venir. Oh non! Allez! Mais non, j'ai même pas le temps de me relever! Il me paralyse au sol! Ta cinématique de merde, c'est bon, je viens de l'avoir il y a 3 secondes. Et la frappe dans ta gueule, tu la prends, non? Non mais putain, mais t'es sérieux? Et là, vu que c'est le boss et que ils ont, enfin, t'as compris quoi, ils ont invoqué un mec. Là, ce qu'on fait, on quitte. Vous revenez, ce qui fait que le mec qui est invoqué a été renvoyé chez lui. Mais évidemment, il ne peut pas être présent pendant le chargement. Ah, les bâtards, non. Avant, on pouvait faire ça. Je suis deg. Ah, mais ils sont morts, ça c'est cool. Le truc qui serait cool, c'est que j'arrive à monter avant qu'ils soient invoqués. Donc, théoriquement, ils n'ont pas pu invoquer, enfin, ils ont pu invoquer personne. Ouais. On va se remettre en garde. Le personnage de base reste quand même assez faible. Thank you.
Et donc on a fini la trika. Normalement, en tendance de monde, on devrait être pas trop mal. L'archipierre du terrier, non, j'ai pas de la reine. Ah, on n'est pas en tendance, hein. J'espérais pas être en tendance, mais je crois que je suis mort trop souvent ici. Âme des démons dorés. Voilà. Et donc on a fini le deuxième monde. Alors ce qu'on va faire, on va se TP la tour d'ivoire, parce que j'ai pas vu ce qu'il y a... On a pas vu ce qu'il y avait en bas à la place du cerveau. Alors c'est pas ici, c'est peut-être le sommet d'Atrium. J'ai envie de voir ce qu'il y a à la place du cerveau, là où il y avait tous les cristaux devant. Je sais qu'il y a un mob, je crois que c'est Yurt ou comme ça, un PNJ, qu'il faut qu'on trouve et qu'on bute parce que c'est un enculé, mais après je m'en vais pas de ce qu'il y a dans cette zone quoi. On n'a rien pu faire face à la puissance de mon dragon! Bien que je m'attendais pas de voir, c'est bien toi alors. Ouais, demi-tour pour le trancher, c'était pas mal. Donc anneau d'avarice, là vous récupérez donc l'arme. Vous récupérez donc la bague qu'on a déjà. Donc la bague qui permet d'avoir plus de points de vie, points de... plus d'âme. Ce qui fait par contre que malheureusement on ne peut pas l'équiper deux fois. Ça c'est dommage par contre. Ça aurait été cool de pouvoir l'équiper une deuxième fois toi. Ma colonne je vais peut-être pas vendre parce que vu que je suis vivant. C'est quoi que j'ai récupéré masque doré là? Éclat de pierre sombre, morceau de pierre claire. Ah putain, j'ai pas eu de morceau de pierre sombre, fais chier. Agent de Nexus. Ok, j'ai eu un casque et un fleuret. Le fleuret, je l'ai bien, moi. Attends, on est d'accord que j'ai récupéré un objet. Ah putain, mais ça a dû. Oui, je suis con, ça l'a envoyé au. À la réserve. Je suis con, ça l'a envoyé à la réserve. Prends One Nexus. Bon, maintenant que je suis là, où est-ce qu'elle est, la Miss Citrouille avec ses. Ok, va être encore un endroit que je vois pas. Putain. Ça gosse. C'est nul en profondeur, on le garde. Ça, je bouffe. Ça, je bouffe. Ça, je bouffe.
Je monte l'endurance pour pouvoir avoir après une meilleure armure, meilleur bouclier, meilleure charge de boulot. Poser la réserve, alors on va poser déjà les âmes de démons qui nous sont quand même importants. L'ogite qui ne sert pour l'instant pas à grand chose. Toutes les pierres qui prennent du poids. La flamberge. Sacré. Alors voilà. Donc là j'ai récupéré ça, on va le regarder ce que c'est. On va prendre le fleur aussi. Regardez. La gueule du truc. On vous doit une fière chance. Donc, hop, fleuret, plus légère. Ah, elle fait des dégâts de feu quand même. Hein. Ah, mais c'est comme la rapière, c'est un. Tu vas me dire, oui, dans tout cas, c'est un type d'arme. Mais ouais, ok. Ça, c'est cool. Et le masque d'or. Il a que deux, mais il a un pouvoir particulier ou pas? Masque incrusté en or, dessin élaboré. Au sein de la société masquée qui cherche à maîtriser le pouvoir des âmes, seuls ceux d'un rang particulièrement élevé peuvent le porter. D'accord. Je pense qu'il y a un truc à faire avec, avec le masque. En général, des descriptions comme ça, ils sont jamais là pour rien sur les Demon's Souls. Je pense qu'il y a un truc à faire, il faudrait que je regarde sur internet. Je pense que là pour l'instant le fauchon je peux le poser. Quoique je vais le garder un petit peu pour l'instant. On sait jamais. On sait jamais. Donc. On vous doit une fière chance. Qu'est-ce qu'on a là? On répare tout. C'est cool, merci papy. Améliorer. Il peut rien améliorer. Acheter objet. Est-ce qu'il a. Il a rien qui m'intéresse vraiment. Attention à vous. Donc je sais déjà que je peux transformer mon catalyseur, donc celui-là, en catalyseur doré grâce à l'âme du monstre doré. Mais de mémoire, je crois qu'il y a une magie. Démon dragon, ben c'est une énorme boule de feu. Ça c'est cool, par contre ça prend deux emplacements. Et le sort cherche âme qui poursuit donc l'adversaire. Ça c'est cool, mais bon, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce qui va me plaire le plus. Moi, là, en tant que magicien, c'est plus un complément de... C'est plus un complément de ce que je vais faire, quoi. Bah alors, tu viens plus aux soirées? Oh, j'y crois pas. Je te laisse, ce serait un saint urbain. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bannissement, renvoie les spectres noirs de leur monde. Ah! Rend un peu de PV au fil du temps. Libère la déflagration de force. Bannissement, c'est sympa, ça, par contre. Je suis poursuivi, j'active le pouvoir, le mec il dégage. Ah, ça c'est cool. Bon, dommage par contre que ce soit un pouvoir. Voilà, mais. C'est cool. Rang, machin. Libère une déflagration de force. Ok. Donc ça pareil, c'est cool. Ouais, renvoie l'utilisateur au Nexus. Ah, ça par contre, ça peut être très, très pratique. 20 000 âmes, et ben tu sais quoi, on va le prendre. Si vous allez mieux, Dieu sait sa façon. Avez-vous son fidèle garde du corps? Enfin, mais castré soit maudit. Par contre, est-ce qu'il vend un. Je suis obligé. Est-ce qu'il vend un. Ah, j'ai pas signé. Je l'ai pas signé. Assigné, évacuation. Voilà. Le problème c'est que c'est bien beau, mais genre évacuation, je peux pas l'utiliser avec mon catalyseur. Il me faut un. Il va me falloir un talisman. On va aller voir papy. On va aller voir papy. Est-ce que j'ai des objets qui peuvent transformer avec l'effet dragon? Déjà le catalyseur, à mon avis, le catalyseur, je pense que je vais le faire. Catalyseur en or, c'est pratique. J'ai pas besoin de beaucoup de choses. Là on est en tendance or. Tendance or, tendance blanche ici. Améliorer, épée dragon. Il manque des éclats de pierre draconique. Il me manque deux morceaux de pierre draconique.
Morceau, il m'en manque 3. Et une pierre pure, il m'en manque. Non, non, il manque rien, une pierre pure. 55 éclats, je la marge. Hein. Il manquera juste 3 morceaux. Arc blanc, il faut un démon incolore. Catalyseur, je peux transformer. Bah, tu sais quoi, je vais le faire. Je passe de 57 à 59. Et je crois que ça fait partie des meilleurs catalyseurs. Hein. Bonne histoire, 187. C'est bon. On dirait quand même une cloche. Hein. Ouais, ça symbole le départ d'une cloche, mais en mode si je te mets un coup sur la tête, il y a deux pics qui te passent à travers le crâne. Bon, je suis pas trop mal. Là, on va se mettre d'accord, je suis pas trop mal. J'ai fini 2 mondes sur les 5. Donc c'est cool. C'est très très cool. J'ai envie d'aller tester là, mais j'ai peur de faire tomber mon monde en plus bas level. Il me restera la fin. Putain, là, elle, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Clairement, c'est le plus gros coupe-gorge, mais je crois que c'est là où je pourrais choper mon épée de noble que j'ai envie. L'épée de sang bleu ou un truc comme ça, je crois qu'elle s'appelle. Tu sais quoi, on va aller au Nexus. On va suicider pour éviter de perdre la tendance des mondes, que la tendance des mondes ne repasse pas en noir. Que là, je crois que les deux premiers mondes sont en tendance de monde blanc. Ouais, le premier, il est à peu près... celui qui est derrière moi, il est pas blanc tout à fait, mais bon, il est quand même blanc. Et là, on a un beau blanc pur quand même ici, dans le roi du terrier, toi. Et les autres sont en neutre. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va suicider notre perso. Je vais même regarder peut-être si j'ai pas la possibilité d'avoir... Ah, voilà, je veille soigneusement sur tout. Attends, il fait combien? 0,5 kg et l'autre... L'autre fait 4,6. Tac, tac, non. Le bracelet, il est très léger, c'est plutôt le pantalon. Il a combien lui? Il a 15. Et la jouée, qui est le 21. Par contre, 6-9. Ouais, je prends 6 kilos de plus. Vous avez un cœur. Je prends 6 kilos de plus. 51. Oh, je suis peut-être encore bon. J'ai rien dit. Je suis pas bon. Putain. Je sais plus exactement. Je crois que c'est 47 ou 43. Ah, le poids pas dépassé, un truc comme ça. J'ai 91 kilos comme sur moi, sérieusement. Fauchon, il fait combien? 1,5. Ah, je crois que de toute façon, il y a le poids de mon matos sur moi, je pense qu'il doit être dedans. Il y a tellement de flèches là, 153 flèches et tout. Dans 15 kg 3 de flèches. Ah bah attends, je posais les doublons déjà. Ah ouais. Attends, j'en ai 32.
Ah non, non, je veux en garder que 5. 22. Vous avez un cœur d'or. Ah, 15 kilos, ça c'est quand même beaucoup. Bon, et eh ben je pense qu'on fait une petite pause Demon Soul. Ouais, on fait une petite pause Demon Soul, on fait un petit cut les gars et je reviens tout de suite. Hein. Surtout partager, liker et oublier.